Passons maintenant à l'affaire Gabriel Matzneff, puisqu'il y a l'ami Rochette qui a fait un bon article là-dessus. Et puis, bon, voilà, toutes les réactions autour, notamment du milieu, quoi. Qu'est-ce que vous Alors pouvez en oui, dire? c'est très intéressant l'affaire Maznev. Heureusement que j'ai la foi. J'ai un peu des prévenances au mois de janvier. Je vois un naufrage sur un naufrage, même de personnalités pour lesquelles j'avais une certaine considération jusqu'à présent et qui a tendance un peu à fondre comme neige au soleil. Parce que on peut avoir, je comprends tout à fait, des nuances, même des divergences d'appréciation sur des sujets relativement secondaires, sur des questions économiques, sur des questions sociales, voire sur des questions géopolitiques. On peut ne pas être d'accord sur le port de la cravate et de la pochette, etc. Mais là, fondamentalement, quand il s'agit quand même d'un pédocriminel qui se vante d'avoir violé des enfants, et ça n'est pas de la mythomanie, on sait que c'est vrai, il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, je trouve absolument effrayant qu'un certain nombre de personnalités, que je ne citerai pas parce que je ne veux pas essayer de donner l'impression de régler des comptes ou de faire des attaques personnelles, je crois qu'il vaut mieux en rester au niveau des principes. Hein, bon, mais les gens comprendront. Il est invraisemblable, me semble-t-il, qu'un être normalement constitué, qui plus est père de famille, puisse avoir la moindre ambiguïté ou la moindre complaisance sur des viols d'enfants. D'ailleurs, je précise que dans le cas de Maznev, ce sont des viols répétés. Il dit même qu'ils appellent parfois des réseaux pédocriminels. D'ailleurs, il y a des réseaux pédocriminels, on va y revenir là-dessus, parce que je crois que c'est quand même une question qui est très importante. Et donc, dans ses livres, dans ses journaux intimes, je ne citerai pas ici parce que c'est tellement épouvantable, où vraiment, il se vante même, par exemple, de viols d'enfants à Manille, des enfants de 8 ans, de 10 ans, de 11 ans. Il y a un passage où il dit même qu'il y a 4 enfants, 4 garçons en même temps dans son lit, quoi. Et qu'il y en a un qui le reproche d'être trop violent, voilà, etc. Parce qu'il faut bien comprendre que des gens comme ça, c'est des gens qui sont complètement détruits. Leur vie est complètement détruite. J'avais vu avec les tarifs, il y avait des. Voilà, c'était des services d'escorte avec des enfants. Plus ils sont jeunes, plus ils sont chers. Plus le pays est risqué, plus ils sont chers aussi. C'est-à-dire que, je ne sais pas, à l'époque, un petit Thaïlandais ou un petit Africain coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher qu'un Allemand, un Hollandais ou un Français. Donc Gabriel Matzneff, on le sait, il est tombé, Dieu merci. Toutes les maisons d'édition ont retiré de vente les journaux intimes, pas les romans. Gallimard n'a pas retiré les romans, les essais. Ils ont retiré juste les journaux intimes, là où il y a pédocriminalité. Pourquoi ? Parce qu'il savait que c'était poursuivable, parce que c'était illégal. Hein. C'était de la promotion, c'était de l'apologie de la pédocriminalité. Gabriel Matzneff écrit absolument tout dans ses journaux intimes. Tout, tout. Je ne citerai pas ici parce que c'est tellement épouvantable. C'est-à-dire comment il a couché avec une gamine, un gamin de 10 ans. Ici, c'est Mes amours décomposés, journal 83-84. Mardi 1er novembre, c'est un journal intime, donc il écrit la date. Après-midi, a visionné des films pornographiques pédophiles chez JCG. Je connaissais certains de ces films pour les avoir vus à Dijon chez le malheureux Jacques S. Celui-ci les a remis à JCG quelques jours avant de se suicider. Sur la dizaine de films qu'il m'a projetés, films privés très supérieurs aux séries en vente à Amsterdam et au Danemark, trois au moins étaient excitants, beaux. Une fille de 13 ans et deux garçons de son âge, deux garçons de 12 ans et 13 ans, et trois garçons âgés de 10 à 14 ans. Se caressant, se suçant, se possédant, se faisant minette et feuilles de rose, etc. C'était charmant, mais une fois de plus, j'ai vérifié combien je suis peu spectateur. Ce que j'aime, c'est vivre et non regarder. Vivre les autres. Là, moi, là, actuellement, je ne vais pas vous mentir, j'ai le sang qui bouillonne. Voilà. Là, j'ai des envies qui ne sont pas très catholiques. C'est insupportable, c'est démoniaque, c'est insupportable. Page 222. J'écris ceci au Hilton tout à l'heure, mes notes sur les femmes vers 16h. Au Robinson, blablabla, blablabla. Bla, bla. Oui, alors, c'était le bon choix, comme aurait dit Giscard, oui, un joli gamin pétillant de malice. Parlant un bon anglais, écolier bien propre, 13 ans. Il n'a pas voulu que je le baise, mais il m'a sucé à merveille et m'a fait jouir. Puis nous sommes descendus à la piscine. Cela m'a rappelé l'âge d'or de Mani, le temps du DM. Page 222 de Mes amours décomposés. Je suis désolé, hein, franchement, je suis désolé de vous faire subir ça. Mais il faut le faire. Page 226, toujours le même journal intime. Normand, c'est la première fois que j'amène un garçon de 12 ans. Et pas un gosse des rues, un petit écolier en uniforme écartable au dos dans un hôtel de passe. Impression inouïe. La peau douce, le corps gracile, la bouche industrieuse, le culot divino d'un Gilbert, 13 ans, d'un Normand, 12 ans, me donne beaucoup de plaisir, mais un corps de très jeune fille aux formes non totalement épanouies, blablabla. Bla bla. Enfin, dernier extrait, 16h, page 314. La différence entre une fille de 13 ou 14 ans et une fille de 11 ans, c'est que la première, si un vilain monsieur tel que moi lui dit « tu as de jolies mains », notera ce compliment dans son journal intime, au lieu que celle de 11 ans ira aussitôt toute contente de le répéter à sa mère, « Gabrielle m'a dit que j'avais de jolies mains ». Je ne sais pas si Anna a apprécié que dès qu'elle a le dos tourné, je drague sa fille de 11 ans. Voilà. Voilà ce que Gallimard, la maison d'édition la plus prestigieuse en France, hein, Collection L'Infini NRF,
a publié dans ses journaux intimes. Le type, il viole des gamins et il en fait du pognon. Il fend de l'argent en violant des gamins. Voilà, Gallimard. Qu'est-ce qu'on attend pour foutre tous ces gens en prison? Qu'est-ce qu'on attend? Il fiche en l'air sciemment des vies d'enfants et ces enfants, parce qu'on sait très bien que des gens ont été abusés, violés, surtout dans leur enfance, il n'est pas rare que malheureusement ils fassent la même chose plus tard parce qu'ils ont ce traumatisme-là. Donc c'est en cascade des vies qui sont détruites, si vous voulez. Bon. Comme Bendit en avait fait autant d'ailleurs. Tout à fait, on va y venir pour. Bendit, bonjour. Est-ce que vous avez essayé de vous renseigner sur les petits-enfants que vous avez à toucher? Est-ce que vous savez ce qu'ils sont devenus? Est-ce que vous ne croyez pas que vous devriez vous en occuper, vous en préoccuper? Ce sont des vies humaines, ce sont des âmes. Est-ce que vous n'avez pas une responsabilité? Vous êtes beaucoup dans les médias. Vous... Bonne journée. Bonne journée à vous. Non, moi je frappe jamais quelqu'un. C'est bien. Non, là, vraiment, est-ce que... je dis j'aime beaucoup. Mais est-ce, que, est-ce qu'il n'y a quand même pas une pensée à avoir pour eux? Vous avez eu des mauvaises pensées, je crois qu'on peut les qualifier de mauvaises pensées. Et vous avez agi sur eux, c'est quelque chose... Bon, c'est interdit, on vous en tient par rigueur. Bonne journée. À la limite. Bonne journée. Tant pis, mais... Bonne journée. Est-ce que vous pourriez me répondre à ça? Vous êtes... Monsieur, j'ai vraiment l'impression de vous harceler là, mais ce sont des questions auxquelles qui n'ont pas été. Écoutez, monsieur, je vous dis une chose. Oui. Vous me laissez tranquille. Oui. Et tout va bien. Donc ce sont des questions auxquelles vous ne voulez pas répondre. Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas ça de côté une fois pour toutes? Je vous casse votre truc. Mais non, ce ne serait pas bien. Alors foutez-moi. D'accord, mais est-ce que vous pourriez peut-être faire une mise au point dans les médias, une mise au point à venir? Vous allez avoir des responsabilités importantes près de l'AREM. Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire une mise au point, monsieur? Est-ce que Macron veut que vous lui apportiez les réseaux pédocriminels? Pourquoi les médias d'un seul coup lâchent Maznev alors qu'il a été soutenu jusqu'à présent? C'est aussi une très simple question. Bon. Mais si vous voulez, on doit être très clair là-dessus. Bon, je veux dire, c'est quand même vraisemblable. Donc quand je vois des gens qui l'ont soutenu pendant des décennies, Alain de Benoît, par exemple, la revue Élément, Maznev, c'est l'égérie de cette revue néo-païenne. Hein. Je crois que Alain de Benoît disait récemment, on l'a cité dans River Hall, que instinctivement, les gens qui n'aimaient pas Maznev, il avait de l'antipathie immédiate pour eux. C'est en dit long, quoi, hein, je veux dire. Et il a fait en permanence des interviews complaisantes de Maznev, qu'on voit une d'Élément, tout ça, etc. Bon, on sait très bien que le chef de la nouvelle droite est acquis d'avance à tout ce qui est abject, à tout ce qui est glauque, à tout ce qui est moral, bref, à tout ce qui va contre la doctrine et la morale chrétienne, hein, ça l'excite. Bon, voilà, c'est quand même malheureux de voir le milieu glauque dans lequel beaucoup de gens évoluent. Bon, donc je crois que là-dessus, il faut vraiment être très clair. Mais remarquez, c'est bien, parce qu'on a côté les masques, là, de même qu'on a démasqué les brigandes, ben là, finalement, je crois que c'est bien qu'il y ait quand même des voiles qui se démasquent, finalement. Et je dois dire que le degré de corruption intellectuelle et morale du milieu, en tout cas des personnalités et des mouvements du milieu, moi, me stupéfie, qu'est-ce que je vous dise. Parce que là, on n'est pas encore dans des choses vraiment anodines, secondaires, ou des débats qu'on peut avoir, dont on veut discuter. Je veux dire, là, c'est quand même c'est le crime des crimes, quoi, de violer un enfant. Bon, je dis franchement, les gens qui sont complaisants sur Maznev, je leur confierai pas mes enfants, même quelques heures, même si j'ai des courses urgentes à faire. Hein, je dis franchement, je veux dire. Parce que quelqu'un qui défend ça ou qui est ambigu là-dessus, franchement, les suspicions les plus légitimes peuvent être éventuellement avancées. Hein, je veux dire, franchement, enfin, je veux dire, bon. Et puis alors, si vous voulez, cette idée selon laquelle la littérature permet tout, l'art permet tout, je veux dire, c'est insupportable. Il y a un amoralisme qui est absolument effrayant, je veux dire, qui est sans limite. Bon, là, dans le cas de Maznev, je veux dire, on a vraiment affaire à des viols d'enfants, c'est-à-dire à des crimes passibles des assises. Bon. Ça peut mettre d'accord quand même, a priori, tout le monde. Alors, dans le milieu, on ne se rend pas tous d'accord là-dessus, quoi, qu'on pinaille, qu'on trouve des circonstances atténuantes, ou que. Il y a quelqu'un à qui je dis ça, qui me répond tout de go, ah oui, mais c'est un grand écrivain. D'abord, c'est très discutable, c'est un grand écrivain, et même si c'était le cas, de toute façon, c'est pas un argument, je veux dire. Et alors, on me dit, oui, mais il a dit des choses intéressantes sur la décadence, mais c'est comme si on avait interrogé du trou dans sa prison, en l'interrogeant doctement, qu'est-ce qu'il pense de la décadence de l'Occident, qu'est-ce qu'il pense de telle politique en Belgique ou en France. Il écrit dessus, enfin, mais il en vit. Non, mais ce sont des gens qui sont inaudibles, si on a commis de tels crimes. Maznev, il vit de la décadence, quoi, en plus. Enfin, je veux dire, c'est invraisemblable, si vous voulez. Donc, dans l'affaire Maznev, alors pourquoi maintenant? Bon, je pense qu'il y a deux raisons à ça, à mon sens, peut-être d'autres. La première, c'est que vous remarquerez que les médias qui l'attaquent, c'est pas tellement sur la question des viols des petits-enfants, ils en parlent pas ou très peu. C'est plus par rapport à MeToo et au féminisme, en quelque sorte. Mmh. Hein. C'est plus sur cet angle-là, finalement, qu'ils pointent le curseur, alors que le pire de Maznev n'est pas là, même si c'est déjà pas glorieux, tant s'en faut, mais je veux dire, le pire, c'est les viols d'enfants, de garçons, etc. Bon, voilà. Profitant en plus de la misère, bien qu'il n'ait pas celui uniquement dans le tiers-monde. Hein. S'agissant donc de Maznev, oui, donc je pense que d'une part, effectivement, bon, il y a le côté féministe, bon, c'est le livre de Vanessa Springora, Le consentement, mais où elle dit la vérité finalement. Hein. Alors on dit, elle le dit, elle raconte des choses qui sont passées à 30-40 ans, mais il faut comprendre que des victimes de ce type, il y a un traumatisme, et souvent c'est très longtemps après.
D'ailleurs, aujourd'hui, on parle des couples, prétend le couple entre guillemets homosexuel avec l'homoparentalité, les enfants, tout ça. Je voudrais savoir dans 20 ans, dans 30 ans, ce que ça va donner. Parce qu'il y a toujours un retard, si vous voulez. C'est au bout de 20 ans, 30 ans qu'on se rend compte, finalement. Et à mon avis, ce sera des moyens long terme. De la même façon, tous les enfants ont fait par PMA. Je voudrais savoir, effectivement, les traumatismes psychologiques, psychiques qu'il y aura dans 10, 20 ou 30 ans. Je veux dire. Déjà, rien qu'avec la mère seule, il y avait des problèmes, alors. Non, déjà, parce que de toute façon, à partir du moment où on s'éloigne de la morale chrétienne, de ce qu'a prévu le Créateur, je veux dire, de toute façon, on arrive dans un puits sans fond, si vous voulez. Hein. Donc il est évident que toutes les dérives sont possibles et tous les désastres. Bon, et d'ailleurs, on le voit bien dans le monde aujourd'hui, et ce sera de pire en pire. Donc j'ai été éjecté pour ça. Ouais. Donc je pense qu'il y a le côté féministe, comme plus une éditrice connue sur Paris, bon à Paris, bon elle, voilà, ça a joué. Et puis je pense aussi que c'est effectivement une offensive contre la droite, ou contre ce qu'on appelle la droite, parce qu'il n'y a plus de droite en France malheureusement. Hein. Quand on a à défendre des Maznev, ou à défendre l'avortement, ou à défendre le mariage homosexuel, ou entre guillemets le mariage homosexuel, ou la théorie du genre, hein, c'est qu'il n'y a plus de droite en France. Il n'y a plus de droite parce qu'il n'y a plus de catholicisme aujourd'hui. Hein. Parce que la droite, historiquement, c'était les catholiques. S'il n'y a plus de droite en France, c'est pas autre chose. C'est ça plus Nuremberg, plus les deux droits de l'homme de Nuremberg, mais qui n'a plus vraiment atteindre son but que précisément parce qu'il y a une apostasie générale. Bah, l'antifascisme et l'anticatholicisme. Parce que la droite, traditionnellement, elle défendait la patrie, elle défendait la religion. Et voilà, à partir du moment où les gens n'ont plus aucune conviction religieuse, il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien. C'est très facile à démontrer. Ah, c'est dans le quatrième commandement, comme on doit honorer nos parents, par extension, on honore les ancêtres, la patrie. Voilà, exactement, quatrième commandement, absolument. Donc c'est aussi l'offensive contre la droite, parce que la pédomanie, elle est transversale, si vous voulez. Elle est aussi à gauche qu'à droite. Et on remarquerait tout de suite, d'ailleurs, Frédéric Mitterrand l'a défendu, un certain nombre de personnalités l'ont défendu, et en réalité, il est certain qu'il y a des réseaux pédocriminels. Bon, on le sait depuis déjà un certain nombre de décennies. Moi, je dois dire que j'avais été très frappé à l'époque par l'affaire Rock. Vous savez, ces enfants qui avaient raconté le fait que leur père, qui est un magistrat libertin, enfin libertin, c'est un adjectif qui peut cacher bien des horreurs, avait participé, vous savez, des parties fines, où à la fin était sacrifié soit un enfant, soit une personne handicapée, un clochard, etc. Quelqu'un sans identité. D'ailleurs, vous remarquerez que Maznev, dans ses livres, dit que la jeune femme auquel il s'en prend, qui ont souvent 13-14 ans, c'est en général les enfants divorcés. Pas répertoriés ou... Non, mais c'est des enfants divorcés, c'est des enfants isolés. Perturbés, isolés. Et il dit, dans un passage affreux, il dit de toute façon, les enfants qui aiment leurs parents, qui sont proches de leur famille, de leurs frères et sœurs, tout ça, c'est une graine de médiocre, dit-il avec mépris. Et il dit, c'est le passage-là qui m'intéresse. Alors, revenons sur l'affaire des enfants. Moi, c'est une affaire. Alors, ce que j'en connais, on va résumer un petit peu pour les gens, mais en gros, donc ce sont les fameux enfants donc de ce juge qui était impliqué de très près dans cette affaire Allègre, qui semble-t-il un soir et plusieurs soirs même de suite s'est confié à ses propres enfants en leur faisant des révélations fracassantes sur le milieu de la justice et en particulier les cérémonies, on va dire, un peu sataniques auxquelles leur père avait participé. Alors, faut savoir qu'aussi le père était imbriqué dans une histoire avec des photos sur Internet qui étaient parues dans un site. Il avait été reconnu et identifié par un journal britannique. C'était dans un journal. Dans un journal britannique, voilà. La deuxième femme avait été montrée nue. Voilà. Donc, c'était une prostituée. Voilà. Bon, et... Le père a accusé son ex-femme et les enfants roses d'avoir fomenté un coup contre lui. Qui a duré plusieurs années, qui est allé jusqu'à la cour de cassation. Je crois même à vérifier qu'ils ont été condamnés. Ils ont fait l'objet de perquisitions qui étaient des perquisitions absolument inimaginables. Je me rappelle aussi que après une audience ou en sortant d'un... C'était après une audience. Ils ont été littéralement agressés par des policiers qui les ont violentés. Et ça, c'est parfaitement établi. Alors, ce qui s'est passé, ces enfants, Roche, Diane et Charles, bon, moi, je les ai fréquentés pendant des années et des années, et j'ai recueilli beaucoup de confidences de leur part, et Charles a eu l'idée de présenter un spectacle au Théâtre de la Main d'Or. Le spectacle s'intitulait « Fils de juge ». Il l'a donné pendant un an,
C'est moi-même qui présentais le spectacle, sa sœur était à la régie, et je les raccompagnais tous les soirs chez eux, ça a duré comme ça pendant un an. Voilà en gros ce que je peux dire. Bon, pour moi, ce sont des gens d'une grande intégrité. J'ai pu aussi converser à plusieurs reprises avec leur mère, qui était également une femme de très grande classe. On a eu pendant des années des échanges très 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 réguliers. Alors, ce qui m'amène à dire que dans cette affaire, bah, je pourrais au moins évoquer deux personnages, c'est qu'il y avait un substitut du procureur qui s'appelle Bourraguet. Bourraguet a été soupçonné de bien des choses, et notamment d'avoir été présent sur les lieux lors de la découverte du corps d'une femme qui s'appelle Lynn Galmardi. Il l'a toujours nié, oui. Il l'a toujours nié, et je vois ressurgir au Parisien, sur le Parisien, voilà, il y a un article qui est paru le 14 mai, je crois. Un rapport gênant pour le procureur Bourraguet. Donc ça veut dire que cette affaire n'est pas terminée, et elle peut ressurgir. Maintenant, on dit, un ancien substitut du procureur de Toulouse, Marc Bourraguet, 48 ans aujourd'hui, en poste à Montauban, a été identifié comme le magistrat fantôme ayant supervisé le meurtre de Lynn Galmardi. Donc je ne l'invente pas, c'est dans le Parisien. Donc je ne fais que reproduire un article du Parisien. Je peux aussi dire que Marc Bourraguet a engagé des poursuites contre les enfants Roche. J'ai assisté à leurs deux procès. Ils avaient été relaxés en première instance parce que le procureur estimait que, paraît-il, qu'ils n'auraient pas trop su ce qu'ils avaient dit, qu'ils étaient jeunes et qu'il fallait un petit peu, et voilà. Bourraguet, on n'est pas resté là. Il a fait appel et je ne me rappelle plus du résultat de l'appel. Donc ils s'en étaient pris à eux parce que à cette époque, je participais activement à un site que nous avions créé qui s'appelle Les Ogres. Ah oui, Les Ogres, hein, bien sûr, c'est bien connu. Ouverture géographique, régionale, ethnique et sociale des frontières. Et notre site avait accueilli des vidéos des enfants Roche. Puis il y avait aussi un autre site qui était Politique de vie, qui était animé par Christian Cotel. Donc, ah oui, Christian Cotel, sites, bien sûr. Deux sites qui avaient diffusé des informations. Il se trouve qu'une vidéo sur l'intervention de l'avocat de Marc Bourraguet, nous avons été amenés à la retirer, bon, parce qu'on préférait éviter la procédure. Bon, alors, j'en dirai pas plus, j'ai le dossier, pour moi, il est sur le point d'être réactivé. Je peux dire aussi que j'ai été témoin dans cette affaire de conversations que Charles avait eu avec une des prostituées qui mettait en cause le comportement de M. Baudis. Il s'agissait de Patricia. Patricia, oui. Nous avons eu plusieurs conversations. Nous devions, Charles et moi, rencontrer Patricia. En principe, on devait y aller un samedi. Et je crois que le vendredi, j'ai dû avoir un coup de téléphone. Elle me dit, eh ben non, ne venez pas, parce que la police surveille mes faits et gestes. Et je crois même qu'on avait exercé des pressions. Je suppose qu'on avait exercé des pressions sur Patricia pour qu'elle ne nous reçoive pas. Alors, il y avait aussi une autre prostituée, Fanny. Ça, c'est une autre histoire. Fanny a fait paraître un livre, Ma vie noire dans la ville rose. Mmh. Hein. Alors, ce livre, il a malheureusement été quasiment... On n'a pas pu le diffuser parce qu'il faisait l'objet de poursuites. Et comme plein de passages, il fallait les supprimer, si on avait voulu supprimer tous ces passages, en fait, moi, j'ai téléphoné à l'éditeur, il m'a dit... Je suis obligé de refaire une nouvelle édition. C'est-à-dire l'éditeur, il a refusé de... Non, il m'a dit, du point de vue technique, oui. Ça l'obligeait à ressortir une nouvelle édition. Ce n'était pas techniquement réalisable. D'accord, on lui demandait d'enlever des passages, voilà. Quoi, de retirer des bouts. On détricotait complètement un livre au point de ne plus pouvoir le diffuser. C'était matériellement impossible. Ça lui a même coûté très cher, il m'a-t-il dit, parce qu'il a dû, à ses frais, rapatrier tous les livres qui étaient déjà dans les librairies. D'accord. C'est cette affaire, c'est là que j'ai commencé à découvrir une réalité dont j'ignorais. Hein. J'ignorais ce qu'étaient les pratiques de ces sectes. Il faut quand même savoir qu'à dans la région de Toulouse, il y a toujours 195 meurtres ou disparitions ou des faux suicides qui n'ont jamais été élucidés. Et c'est reconnu par la police des polices. Hein, oui, à un moment donné, justement, à Toulouse, il y avait tout un tas de meurtres au fameux parc du Belvédère, qu'on appelait les tués du Belvédère, et c'était que des suicides déclarés, alors que
visiblement, il ne s'agissait pas de suicide, puisque dans toutes les reconstitutions, on n'arrivait jamais à reproduire comment les gens s'étaient suicidés, puisqu'on les, on faisait tomber des cadavres et ça tombait toujours jamais de la bonne façon. Donc tout ça était très, très, très suspect. Il y avait une cellule 31 de gendarmes, dont le gendarme Roussel, qui a essayé d'aller le plus loin possible, mais vous savez ce qui lui est arrivé, je crois qu'il a dû prendre sa retraite. Hein. Voilà. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Il y a eu quand même des magistrats qui ont essayé d'aller beaucoup plus loin, mais on en est toujours là. Et il existe une association qui, je crois, a toujours une existence, qui s'appelle Stop à l'oubli, et qui, notamment, la dernière information que j'ai trouvée, c'est qu'elle protestait contre le fait que M. Maudis, qui est mort depuis quelque temps, avait été désigné comme défenseur des droits. Mmh. Or, le défenseur des droits, une de ses missions, c'est précisément de veiller aux intérêts supérieurs des enfants. Alors c'était peut-être un peu troublant, parce que certes, M. Baudis a été relaxé, l'affaire, on peut dire, elle a une autorité de se juger absolue, mais moi, je n'exclus pas du tout qu'un jour, il faille réviser cette affaire d'une manière déchirante. Ça existe, le droit de réviser une affaire, parce que rien n'a été élucidé, pour le moment, on en est là. Et l'association Stop Oubli protestait aussi contre le fait qu'avant d'être défenseur des droits, il a été nommé à la directeur de l'Institut du monde arabe, et qu'en tant que directeur, il avait fait l'objet de critiques concernant les frais qu'il s'était octroyés, au point même que l'URSSAF avait dû effectuer des rappels. L'association Stop à l'oubli était quand même très étonnée qu'on ait nommé M. Baudis. Alors ce n'est plus M. Baudis qui est le défenseur des droits à l'enfant, le défenseur des droits et qui a la charge de suivre les intérêts supérieurs des enfants, c'est maintenant M. Toubon. Bah, moi je pense qu'on va aller lui dire bonjour un de ces jours, hein, tout simplement. Hein. On verra si c'est bon, mais on verra. Hein. On verra bien. Hein. Ouais. Ce que je voulais aussi dire, c'est qu'à cette époque-là, donc ça a été pour moi les premières investigations à travers l'affaire des enfants Roche que j'ai découvert l'existence de réseaux très 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 douteux, hein, qui pratiquaient, si je me fie à ce qu'a pu dire publiquement Charles, et on le trouve sur Internet. Hein, il y a encore oui, il y a des témoignages ouais, sur Internet. Vidéos. Il m'a fait découvrir un livre de Martine Bouillon. Martine Bouillon était magistrate et elle a écrit Viol d'ange, pédophilie, un magistrat contre la loi du silence. C'est un livre de 1997. Alors il faut savoir que Martine Bouillon était substitut du procureur dans le 93, qu'elle a participé, je crois que c'était en 99, à une émission où elle évoquait l'existence d'un charnier découvert, je crois que c'était en Seine-et-Marne, et que ça n'a pas eu l'heure de plaire ni au garde des Sceaux, ni à sa hiérarchie. Elle a été mutée, je crois, dans les 24 heures à Saint-Omer. Et ce livre-là représentait les investigations qu'elle avait pu effectuer sur la pédophilie pendant 20 ans. Tu peux le remontrer un peu le livre parce qu'on ne connaît pas beaucoup et je pense que c'est assez intéressant. Voilà, Martine Bouillon, Viol d'ange. Et alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans le dernier film de Béatrice Pignède, elle aborde dans, la deuxième partie la question des enfants Roche. Voilà. Oui, donc il prendra des enfants qui traînent à Manille. Je crois que sur Radio Courtoisie, il avait raconté Radio Courtoisie qui aime inviter une bonne brochette d'homosexuels et pédomanes, d'ailleurs, depuis longtemps. Bon, ça c'est une autre question. Parce que il faut aussi nettoyer les écrits de Gias dans le milieu, hein, on y reviendra. Bon. Enfin, d'où est-il donc que, s'agissant donc de Mazneff, il y a un moment donné, il raconte une anecdote que dans une piscine à Paris, je crois, il a vu une jeune enfant, une fillette, qu'il avait envie évidemment de pervertir, etc. Et la mère qui était pas loin de la piscine s'en est rendu compte, l'instinct maternel, et finalement, tout de suite, elle a récupéré sa fille, quoi. Et il se moquait de cela pour dire que finalement, bon, ben, les parents qui sont vigilants, qui s'occupent de leurs enfants, etc., et puis ne peut rien faire, quoi, je veux dire. Hein. Et malheureusement, il y a beaucoup d'enfants où les enfants sont, où les parents sont pas vigilants, quoi, je veux dire, hein. Ou ils sont pas là, ils travaillent, etc. Bon, voilà. Et donc il dit que c'était une proie rêvée en quelque sorte. Mmh. Et il disait ça devant Paul-Marie Couteau, sous les rires de Paul-Marie Couteau, qui d'ailleurs, on peut le dire, a été mis en examen, on peut le trouver, hein, donc je peux le dire, c'est public là, hein, a été mis en examen en octobre 2019, parce que au cours d'un déjeuner ou d'un dîner dans un restaurant parisien, volontairement, il a mis de la drogue dans le verre d'un jeune homme de 22 ans, à l'insu du jeune homme, pour pouvoir obtenir ses faveurs sexuelles. Hein, voilà. Et il est mis en examen pour ça, Paul-Marie Couteau. Et la police a fait toutes les vérifications, c'est bien de la drogue qu'il a mise, hein, il n'y a pas de doute. Hein, une drogue. Il était encore en RN à ce moment-là
Bon, j'en souviens, il a été partout, ça a été législatif. Oui, il a fait un petit peu partout, ça. Il a été avec Villiers, il a été avec, il a été avec le Front National. Avec toutes les droites, enfin, au sens bon, de toute façon, très large. Et Couteau était patron d'émission pendant des décennies, Radio Courtoisie, ayant ses entrées partout. La moralité de ces gens-là, voilà quoi, à quoi on a affaire, c'est quand même hallucinant. On n'est pas dans des choses quand même bénignes, anodines. Là-bas. C'est quand même effrayant de voir toutes les complicités qu'il a eues dans le milieu, quoi, je dirais. Les gens qui l'ont fréquenté assidûment et qui ont lu ses écrits et qui ont continué à le fréquenter, à en dire du bien, à le vanter, à vanter ses écrits, c'est quand même quelque chose d'hallucinant. Et je vois aujourd'hui encore quand il y a des gens qui nous disent « Oui, mais bon, il faut faire attention, il faut distinguer les phébophilies et la pédophilie, la pédomanie. Vous allez utiliser des distinctions qui se veulent subtiles. » Enfin, tout ça sont des sophismes. Oui, dans ce domaine-là, non. Enfin, c'est quand même absolument effrayant, je veux dire. Parce que même des jeunes filles de 13-14 ans, ce sont des jeunes filles extrêmement jeunes et évidemment dont leur vie sera détruite par ce genre de comportement. D'autant plus que Vanessa Springora en question, je veux dire, il la sodomise, quoi. Excusez-moi d'employer ce terme et tout ça, mais je veux dire, c'est des choses abominables. Alors qu'elle est hospitalisée pour des problèmes gynécologiques, il va la voir tous les jours et lui imposer des choses abominables. Voilà qui en a affaire. Gabriel Mazeff était un visiteur du soir de François Mitterrand, le président de la République. Il avait une lettre sur lui qu'il croyait pouvoir le protéger, comme en a bien témoigné Madame Springora, l'auteur du livre Le Consentement. Donc il avait une lettre, il s'est dit si on m'attrape, si les flics m'attrapent, je leur montre la lettre. Madame Springora nous explique que lorsqu'elle est allée voir les médecins à l'hôpital, en expliquant que ça lui faisait trop mal ses rapports sexuels avec un adulte, etc., le médecin lui a demandé s'il ne voulait pas qu'il lui fasse une chirurgie pour ouvrir l'hymen et lui faciliter les rapports sexuels. Elle avait 14 ans. Elle avait 14 ans. Des gens se sont plaints. Ils ont envoyé des lettres anonymes à la police. La police n'a rien fait. La police n'a rien fait. Ok ? Voilà les gens qu'on présente comme des géants de la littérature, comme des gens tout à fait estimables, simplement des libertins, alors que ce sont des gens, si vous voulez, qui considèrent qu'ils sont au-dessus de la morale ordinaire. Et je dis aux auditeurs, méfiez-vous des gens qui considèrent qu'ils sont au-dessus de la morale ordinaire, parce que finalement, tout est permis. Et de ce point de vue, on y reviendra tout à l'heure, mais que ce soit Mazeff, que ce soit la Bruyère, le gourou des brigandes, c'est toujours la même idée, on est au-dessus de la morale ordinaire. Et à partir du moment où on est au-dessus de la morale ordinaire, on est un aristocrate pour Mazeff, on est des elfes, le royaume elfique pour la Bruyère, donc on est au-dessus de l'humanité ordinaire qu'on méprise, et bien finalement, on peut tout se permettre, hein, y compris d'harceler des personnes, de les conduire à la mort, de les conduire à les détruire totalement, psychiquement, moralement, voilà, voire physiquement. Aujourd'hui, M. Bruno Larebière écrit un texte, enfin c'est pas aujourd'hui, il y a deux jours, le 21. Exclusif, affaire Mazeff, l'ancienne ministre Michel Barzac, entendu comme témoin. C'était une ministre de la Santé, de Chirac, du RPR, de l'époque du RPR. On sait que c'est Tibéri, l'équipe Chirac, qui a dégoté un logement social à Gabriel Mazeff. On sait également qu'il a eu une subvention, ça fait une vingtaine d'années, 165 000 euros, une subvention pour les auteurs pauvres, etc. Ce type, dans ses journaux intimes, il passe sa vie dans des hôtels, dans des restaurants les plus chics de Saint-Germain. Ok, le moindre croque-monsieur coûte 20 euros. Hein, c'est le tarif. Tous ceux qui connaissent Saint-Germain, le milieu des écrivains, etc., le savent. Et il a été financé par de l'argent public, avec un logement et des subventions, sans oublier, bien sûr, deux médailles, dont une délivrée par Jacques Touban. Ce n'est plus M. Baudis qui est le défenseur du droit à l'enfant, le défenseur des droits et qui a la charge de suivre les intérêts supérieurs des enfants. C'est maintenant M. Touban. Bah, moi, je pense qu'on va aller dire bonjour un de ces jours, hein, tout simplement. Hein. Dont une délivrée par Jacques Touban, la droite. Alors qu'on ne nous dise pas que c'est la gauche qui est pédophile en France. Ce n'est pas vrai. La pédophilie concerne absolument tout le monde, de l'extrême gauche à l'extrême droite, ok ? Parce que il faut aussi nettoyer les écrits de Gias dans nos milieux. Donc, cette dame, on nous explique, le plus calmement du monde, en fait, il l'écrit lui-même dans ses journaux intimes, c'est pas une nouveauté, mais c'est les journaux intimes les plus anciens, c'est les années 70. Ceux-là, je les ai pas lus. Il explique que, pour ne pas que la fille tombe enceinte, et comme elle était mineure, moins de 15 ans,
Elle n'avait pas le droit de prendre la pilule ou d'avoir une prescription médicale. Alors, il fait bouger ses réseaux et il se débrouille une médecin, gynéco, qui va lui faire cette ordonnance et qui va le faire à plusieurs reprises. Parce que comme lui, il couche avec des centaines de filles et de gamins, pour les filles, il ira régulièrement chez elle et elle va lui faire des ordonnances pour violer des gamines. Ok ? Elle était, semble-t-il, au courant. C'est écrit dans le livre. Donc elle sera entendue comme témoin. Cette dame a été présidente de l'UNESCO, la protection de l'enfance. Cette femme, plus une autre, la fondatrice de Cosmopolitan, etc., sont censées être des féministes, blabla, la condition de la femme, mais apparemment, celle des enfants, ils n'en ont rien à faire. Donc, nous avons, c'est quand même dingue, hein, un médecin qui a voulu lui faire une chirurgie pour faciliter ses viols par ce port de Maznev. Une médecin gynécologue qui va lui donner faire des ordonnances alors qu'elle est mineure. C'est quand même fou, c'est fou d'en arriver là. Après, on nous dit qu'il n'y a pas de complot, qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche. La justice n'a rien vu, la police n'a rien fait. Et c'est normal. Une soixantaine d'années de journaux intimes, dans les plus prestigieuses maisons d'édition. En plus, il fait du pognon avec sa pédocriminalité. Bon, ministre qui va lui prescrire donc des pilules de contraception pour pas que monsieur fasse des gosses à droite à gauche. Bon, je suis sûr qu'il a dû en faire avorter plus d'une. Ça doit être très très simple, très logique. Rappelons que Gabriel Maznev a été défendu par Jean Dormesson, par David Abiker, par Bernard Pivot, par Thierry Ardisson, par quasiment tout ce qui compte de prestigieux, entre guillemets, dans le monde des lettres. Rappelons également que Gabriel Maznev est très proche. Il a été financé par le couple Pierre Berger-Yves Saint-Laurent, qui lui payait son loyer avant qu'il n'ait le petit appartement, le petit HLM de la mairie de Paris, offert par Thibéry. Rappelant qu'il était également proche de Bernard-Henri Lévy, qui l'adore, de Yann Moix, qu'il y a plein de gens qui ont écrit des textes dithyrambiques sur le pédocriminel Gabriel Maznev. C'est passé comme une lettre à la poste, c'est complètement sidérant. C'est à peine croyable, hein, tout ce que je vous dis. Mais tout ça, on le sait, hein. On en a parlé à maintes reprises. N'en déplaise aux gourous, mythomanes, Alain Soral, qui n'arrêtent pas de répéter que non, c'était pas des enfants. Si, si, 10 ans, c'est des enfants. Hein. À Mani, c'était 10 ans et même moins. Arrêtez de mentir, arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. Non, c'est un pédocriminel qui est allé défendre aux assises Jacques Duguay. Jacques Duguay qui est un serial violeur d'enfants, qui s'est retrouvé avec des centaines de milliers de photos, vidéos de pédocriminalité, qui a pris 30 ans hein, aux assises à Chambéry il y a 10 ans. Okay, et c'est lui qui avait écrit le fameux papier dans Libération qui expliquait que des enfants de 5 ans adoraient se faire sodomiser, etc. C'est Jacques Duguay dans Libération en deux parties. C'était son courrier au tribunal, au juge qui allait le condamner. Donc Libération, Serge Julie, etc. Maznev qui était aussi publié chez Le Point dans sa rubrique Le Diable dans le Bénitier. Le Diable dans le Bénitier. On est vraiment dans le satanisme. D'ailleurs, pour finir, dans un livre qui s'intitule Les Passions Schismatiques, paru en 77, Gabriel Maznev a écrit ceci. Ma nature d'enjuanesque aime trop la conquête, la drague, la séduction. Et mes amis pédophiles peuvent témoigner que ce n'est qu'exceptionnellement que j'utilise les réseaux de notre secte où l'on se refile les gosses et où l'unique séduction est celle du portefeuille. Donc il écrit lui-même qu'il y a une secte qui se refile des enfants à coup de pognon. C'était un petit peu le travail de Marc Dutroux. Je pense aussi que ça peut être aussi le boulot de l'autre de Chambéry, là, je ne sais plus comment il s'appelle, Nordal Lelandais. Il y a des gens comme ça, des sociopathes, qui vont aller chercher la chair fraîche de X manière. Voilà, ou des parents qui vont vendre leurs enfants, c'est l'affaire Outreau. Donc ceci est une réalité, c'est écrit noir sur blanc dans des livres que vous pouvez acheter. Donc ces gens-là sont protégés par Jack Lang, qui a signé la pétition du monde de 1977, initiée par qui ? Par Gabriel Maznev,
Frédéric Mitterrand, etc. Donc voici le topo en résumé de la situation catastrophique, lamentable, des élites françaises germanopratines, littéraires, judiciaires, médiatiques, blabla, qui connaissaient la réalité de ce pédocriminel, ce qui ne les a pas empêchés de les couvrir, de les protéger, de leur donner de l'argent, de les faire travailler, pour qu'ils continuent leur prédation. Ça a été épouvantable du début à la fin. Là, on parle de gens qui sont dans le top 10 des grosses fortunes françaises, mais qui sont en fait dans les grosses fortunes mondiales. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gosse a été enlevé par son père en Suisse, de façon parfaitement, en fait, dès qu'il faisait quelque chose d'illégal, il y avait une décision de justice qui rendait la chose légale. Enfin, je veux dire, c'était les droits les plus élémentaires, que ce soit de sa mère, de l'enfant, c'était n'importe quoi, ont été complètement bafoués. Je vous dis, même, ils ne se sentaient même pas obligés d'une élémentaire politesse. Enfin, je veux dire, rien n'allait, du tout. Ça reste un des dossiers où la justice a dysfonctionné de la façon la plus décomplexée. Il peut y avoir de très gros dysfonctionnements. On essaie quand même de protéger les apparences là, ils essayent même pas. À l'aune d'une affaire comme celle-là, mais il y en a d'autres, il faut savoir qu'effectivement, il y a un moment où, notamment si on a énormément d'argent, on est quasiment intouchable, y compris pour des choses qui sont extrêmement graves, ou en tout cas des suspicions extrêmement graves. Et même, on va parler des politiques et tout ça, c'est vrai qu'il peut y avoir des ministres qui sont mis en prison de temps en temps, c'est vrai pour des histoires, bon et encore, hein, il y a des aménagements de peine, il y a des, ou pour des histoires de fraude fiscale, enfin il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup quand même. Mais à partir d'un certain degré de fortune et de puissance, que ce soit financière ou d'emploi, forcément ils arrosent tout le monde. Ils arrosent toutes les campagnes de tout le monde. Enfin, je veux dire, ça devient extrêmement difficile. Le PDG de Renault, il n'a pas eu de bol parce que c'est au Japon. Hein. En France, ça m'étonnerait beaucoup qu'il ait fait ne serait-ce que 15 jours de prison. Et là, on parle de crime sur la personne quand même. Enfin, en fait, il y avait une suspicion d'inceste isolé. Mais en fait, les témoignages dont on a parlé les enfants... parler l'enfant, enfin certaines choses, certains faits relatés par l'enfant, laissaient quand même présumer en fait des choses qui étaient en groupe et qui étaient beaucoup plus graves que ça, qui relevaient de pas seulement de l'agression sexuelle, mais des actes de torture et de barbarie, comme j'en ai rencontré dans d'autres dossiers. On parle d'une criminalité qui est extrêmement dangereuse. Les incestes qu'on va appeler isolés sont gravissimes. D'ailleurs, il y a pas mal d'incestes ou de situations familiales qui, en fait, après amène à la criminalité organisée, d'autant que c'est aussi souvent une personne de la famille qui va les emmener. L'inceste était extrêmement grave, mais là, on est sur une criminalité qui est extrêmement dangereuse pour tout le monde. C'est-à-dire en soi, le pédocriminel, y compris qui va simplement s'en prendre à ses enfants, est extrêmement dangereux parce qu'il va détruire ses gosses. Donc c'est de toute façon un être destructeur. Mais là, on est sur des criminalités organisées qui font des centaines et des milliers de victimes, juste pour sur une poignée de personnes, qui en général, qui sont d'ailleurs souvent à la, je me suis rendu compte après, au croisement avec d'autres criminalités, c'est-à-dire que quand on est sur la traite humaine, en fait, c'est pas seulement le trafic des enfants, ça peut être le trafic des femmes, il peut y avoir de la drogue, il y a des armes, il y a des, on est sur des gens qui sont super dangereux. On parle de gens qui ont tué, pour dans certains cas, qui sont capables de tuer, enfin. Je connais des familles qui ont été obligées de partir à l'étranger, mais juste pour leur protection. Bref, c'est ignoble. Et il y avait aussi beaucoup plus de photos de torture. De torture et d'actes de barbarie, il y en avait qui n'étaient même pas sexuels, c'était que ça. Parce qu'il faut voir que dans ce commerce-là, il y a les pédocriminels qui échangent leurs photos, qui font leurs trucs entre eux, mais il y a aussi un commerce, il y en a, c'est juste pour le pognon, il y en a, au départ, ils ne sont même pas spécialement attirés par les enfants. On est vraiment sur des histoires de sous, quoi. Les victimes sont toujours aussi maltraitées. Un enfant qui est victime de viol a toujours, ou un adulte d'ailleurs, mais c'est encore pire pour les enfants, a toujours aussi peu de chances d'obtenir justice. Si c'est dans le cadre d'une organisation, c'est encore pire. La quasi-totalité des coups de filet au niveau organisation qui sont faits en France, c'est parce que c'est des enquêtes qui sont initiées à l'étranger qui arrivent en France. Et encore, il va y avoir 100, 200 Français qui vont être mis en cause. Il y en a 12 20 à tout casser, qui éventuellement vont être mis en garde à vue, même éventuellement vont être jugés.
souvent être pour des histoires de détention de documents, ils vont prendre du sursis, ils vont se prendre 4 mois ou 6 mois avec sursis, et c'est tout. Une des grosses raisons de l'immobilisme, c'est qu'il y a une indifférence de fait. C'est-à-dire que quand on, si on va en parler et tout ça, là tout le monde est absolument horrifié, mon Dieu, quelle horreur, et tout le monde s'indigne et tout le monde... voilà. Et il faudrait faire ci, et les monstres, et etc. Et vas-y que je vais te rétablir la peine de mort ou je sais pas quoi, ce qui servira à rien. Mais enfin voilà. Voilà, il y a une grosse indignation. Mais il y a une très grande frilosité à s'informer. Alors je ne sais pas, c'est parce qu'il y a encore cette idée quelque part que ça ne peut arriver qu'aux autres. Je m'interroge parce qu'il y a quand même, il doit y avoir, allez, 2 couples sur 3 en France qui sont quand même parents. Donc je suppose que la protection des enfants les intéresse, que le fait de savoir qu'il y a quand même des prédateurs qui sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on peut le penser, qui peuvent sévir dans une quasi-impunité, voilà, si même s'il faut parler que de ses propres enfants, en admettant qu'on n'en a rien à fiche des enfants des autres, et quand même merde quoi. Parce qu'il y a aussi des enfants étrangers, et je ne pense pas que les gens en aient rien à fiche des affaires des autres, il y a une image de famine, il y a des millions qui partent. C'est même pas un manque d'intérêt pour l'autre ou de générosité, je sais pas. Par contre, un manque d'intérêt actif, ou même s'il y a un truc qui passe à la télé, faire l'effort intellectuel d'aller regarder ça plutôt que mimimati, qui n'est pas fait, qui fait qu'on reste avec une espèce, en même temps peut-être, d'impression, d'indifférence un peu du citoyen. Dans ces cas-là, les choses n'évoluent pas. Parce qu'il y a des tas de trucs. Il faut bien voir, tant qu'il n'y a pas une exigence forte de l'opinion publique, du citoyen, il faut bien voir que les politiques, avec le peu de moyens qu'il leur reste, ceci dit, ne font rien. Ils répondent d'abord à des espèces d'urgence. Voilà, bon, là, à l'époque d'Isabelle Guigou, sinon, ils faisaient de la communication. En plus, ça coûte des sous. En fait, les gosses, personne n'en a rien à foutre. En plus, ils votent même pas. Alors, voilà. Pour que ce genre de situation évolue, et on parle quand même de danger de sécurité majeur, pour que ce soit le citoyen ou sa famille, enfin je veux dire, c'est très grave. Et bien, pour que ça évolue, qu'on mette les petits plats dans les grands, que des mesures soient prises, il faut bien voir que non seulement il faut qu'il y ait un signe d'intérêt très important des gens, mais que par-dessus le marché, il faut un signe d'intérêt qui dure dans le temps. C'est-à-dire, il faut une exigence qui soit extrêmement obstinée et qu'il y a un moment, ils se disent, bon là, si on ne fait pas quelque chose, on va sauter, enfin ça va vraiment pas aller ou on ne va pas être élu ou je ne sais pas quoi, pour qu'il se passe quelque chose. Bon, l'affaire du trou, il y avait eu, et encore, ça n'avait pas suffi, mais c'était un peu une autre époque. Mais il y avait eu un petit mouvement en Belgique, mais parce qu'il y avait eu la marche blanche, que c'était 200 000 personnes dans la rue. C'était sur un pays de 6 millions d'habitants. Voilà, avec les comités blancs. Et encore, il y a des polémiques sans fin qui sont sorties. On a mis ça sur le registre de la foi, les croyants, les pas croyants, alors qu'il y avait des tas d'éléments concrets et tangibles. Enfin, c'est difficile, quoi. C'est très difficile d'obtenir une justice qui fonctionne. Déjà, qui fonctionne. Alors déjà, en plus en France, avec l'argent qu'on y prête à y dépenser, voilà. Mais il faut vraiment une exigence. Alors, je ne sais pas si ça il reste sinon, ou est-ce qu'il y a encore une sous-estimation du phénomène, une sous-estimation du risque. Enfin, je ne sais pas exactement, mais force est de constater que, il y a encore, c'est l'information sur ces sujets garde un public qui est extrêmement restreint, quoi. Ceci dit, les dysfonctionnements en matière de tout ce qui est agression sexuelle, de toute façon, ça c'est pas spécifique à la France. Hein, c'est-à-dire que, en gros, on reste encore dans une société où, qu'on le veuille ou non, on est plus ou moins sur la loi des plus forts. Donc c'est les hommes d'abord, les femmes après, et les enfants à la fin. Et c'est comme ça. Surtout très très important, faites exploser le hashtag balance ton ogre. Balance ton ogre. Il faut absolument que ça explose de partout. Ça suffit. Il faut que les gens se réveillent. Il faut que ça pète sur le Twitter et Facebook et partout. Et que les gens dénoncent une bonne fois pour toutes ces dérives d'un autre monde. Enfin, on est en enfer quand même. On est juste en enfer. À part ça, tout va bien. C'est le crime des crimes, quoi, de violer un enfant.